Shalom Aleichem, on est dans Siman Resh Bet, Dine Birkat Perot Aylan. La halachot selon la bracha des fruits. Il dit le Rav, Kol pri shehu mesupak alav im birkato adama o haetz, yesh levarech alav misafek adama. De lo ke mi sheomer shevarachim alav shehakol. Ren da'at Maran HaShulchan Aruch, shebracha mevureret adifat fe. Ma she'en ken, ברכת שהכל נהיה בדברו, שהיא ברכה כוללת, ברכה כוללת, ומה שאמרו על הכל, אם אמר שהכל יצא, היינו בדיעבד, כן? אמרנו היינו דילו רב, והוא דיר עושה פרנטס כסקידי למשנה ברורה, פורסי דה קומחון. למשנה ברורה ידי, כלכן כאילו בספק, זה בדיר כבר כלכן כאילו בספק, כלכן כאילו דנז אין דוט, כס כסה לברכה, c'est pas qu'est-ce que c'est la bracha au niveau de moi, je sais pas. Est-ce que c'est Aetz, est-ce que c'est Adama? On parle de qu'il est dans un doute. On a les poskim, les chachamim, ils savent pas, comme la banane. La banane, on ne sait pas si c'est Aetz ou si c'est Adama. Il y en a qui veulent dire que c'est Adama. Il y en a qui disent que non, c'est Aetz. Hein? Et pourquoi je dis Aetz? Parce que c'est un arbre. Mais comment, qu'est-ce que ça veut dire un arbre? Comment il est cet arbre-là? C'est un arbre normal? En général, l'arbre, qu'est-ce que c'est? Un arbre, c'est avec le tronc. Le tronc, il est là. Ici, le tronc, il n'est plus là. C'est des feuilles, avec des feuilles, avec des feuilles, avec des feuilles comme ça. Et après, le tronc, tu le coupes comme ça, et il repousse encore un autre. Un bananier. Hein? Non, un arbre, c'est un tronc qui reste. Il y a des lois au niveau des lois il-khatit. Selon la halakha, qu'est-ce que ça veut dire un arbre? Qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis boré atse besamim par exemple? Pourquoi tu dis boré isbe besamim? Pourquoi ça change par rapport à la comment il pousse? Ok? Si c'est aesa, maintenant c'est machloket. Au niveau maintenant, si ça va être orla, ça veut dire qu'il faut attendre 3 ans. Les fruits des premiers 3 ans, il faut pas les manger. Et même la 4e année, après chez Neta Revaï, c'est une nafkamina. Si maintenant c'est pas un arbre. Pas besoin d'attendre tout cela. Tout ça, c'est des grandes. Alors maintenant, on parle de si par exemple il y a une discussion, est-ce que c'est Aetz ou c'est Adama? Okay. Là, on va faire Adama pour en quitte Aetz. D'accord? Puisqu'on est dans un doute. Mais si toi, tu es dans un doute, tu ne sais pas maintenant. Tu ne sais pas si c'est Aetz ou Adama. Tu fais rien, tu manges pas. Pourquoi? Parce que toi, tu as un doute. Tu veux, va vérifier le doute. Il y a des livres aujourd'hui, et suite à ces livres-là maintenant, Baruch HaShem, tu vas éclaircir ton doute. Alors maintenant, ici, on parle Kol prishu mesupak alav. Tout fruit qu'on a un doute sur ce fruit-là. Si maintenant, la bracha, c'est Adama ou Aetz. Yesh levarech alav misafek adama. Il faut faire la bracha, puisqu'on est dans un doute, on fait bore briha adama. De lo, et pas comme il y en a qui veulent dire que puisqu'on est dans un doute, on va faire chez Akol. Et ainsi aussi, c'est Maran HaShulchan Aruch, que là, quand on doit faire la bracha, on fait la bracha qui est plus mevureret, qui est plus claire. Plus clair, ça veut dire qu'elle est plus. Quand tu dis chez Akol, c'est Akol, on parle de tout. Mais ici, ce fruit-là, maintenant, puisque maintenant, il y a un doute si c'est Aetz ou c'est Adama. Aetz, si tu vas faire Aetz, peut-être c'est Adama, alors c'est Bracha Levatala. Mais quand tu fais Adama, c'est sûr que cet arbre-là, maintenant, il vient aussi de Adama. Alors c'est moins shaker. Le Emet, il est que ça vient de Adama. Quand tu fais c'est Akol, c'est moins. Mevoura, c'est moins clair. La bracha, il faut quand on dit la bracha, qu'il faut qu'elle est claire. C'est-à-dire que ça vient de Adama. Machen ken, par contre, il nous dit le rab, bebekat shakol niyavit varo, quand tu dis shakol niyavit varo, c'est moins clair. C'est moins barou. On mâche un mot à la colle, et quand ils ont dit les chachamim, tu sais, quand tu fais la bracha chez Akol, ça rend quitte tout. On parle que pas a priori. C'est après coup. Si un homme il a dit chez Akol, il est rendu quitte. C'est sûr que nous, avant de faire la bracha, on est
obligé, on est censé de vérifier tout aliment, okay? Parce que vraiment, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes dans cela. Ben, l'ananas, il y en a un que, il a dit, mais c'est un arbre, l'ananas. L'ananas, c'est quoi? C'est un S? Et le melon? Ah, bon. Le melon, c'est quoi? Ou la pastèque? C'est quoi la pastèque? Est-ce que tu vas voir une pastèque qui est pendue en l'air, dans l'air? Quand beaucoup la fait chesed avec nous, que c'est Adamaï. Hein? Si c'est une pastèque, il tombe après. Les... Ouais, c'est ce que ok. Alors, il faut savoir que l'ananas, c'est Adama. Alors, il faut quoi faire? Il y a beaucoup Hachem aujourd'hui des livres. Il y a des livres, il y a des applications aussi. Il faut savoir aussi d'où se viennent ces applications. Il y a un gros mélange, une grande embrouille. Il y a machlok et achronim dans les aliments. Quoi être mes barrières? Comme par exemple le clou d'Irof. Il y en a qui vont dire, ils disent Boré mine besamim. Ah, va dire ça. Ça, il dit Boré atse besamim. Dans le clou d'Irof. Beaucoup, beaucoup de discussions, il y en a sur les brachot. Il faut savoir, une des halachot que c'est très difficile à gérer, c'est les brachot de halachot, de brachot, selon les brachot. On lui dit le Rav, et puisque maintenant il y a des livres aujourd'hui, et ces livres-là, on peut les acheter facilement. Il y a ici maintenant, il y a un jeune, que lui pendant Ben Azman, pendant les vacances, il a écrit un livre. Ça s'appelle Encyclopédia d'Abrachot, avec tous les dessins, toutes les photos, tous les avis des Chachamim, Rav Shaul, Metzion Rav Shaul, le Rav Avadi Yosef, Rav Shlomo Auerbach, Zatzal, tout cela, et il a fait un livre, et Baruch Hashem, c'est clair. Si tu veux suivre Metzion Rav Shaul, tu suis Obisir Machaul. Si tu suis. Oh, va dire. Tu suis le Rav. Si tu es un Ashkenaz, alors tu suis Obisir Shlomo. Araboybach. Araboybach. Au Hachem, il nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Il dit le Rav, que je l'ai pas pris, je me suis pas calé, je me suis pas calé, au Adama, qui est une banane, au prix, je me suis pas calé. Maintenant, le Rav, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous gérer comment on doit gérer quand un homme il va manger. Parce que combien de fois un homme, il peut faire bracha levatala? Il va nous éclaircir. Quand je dis bracha levatala, c'est bracha levatala. Et si je dis bracha levatala, c'est grave. La bracha en vain, c'est grave. Un homme, il a fait une bracha, et peut-être suite à cette bracha-là, maintenant, il a rendu quitte l'autre aliment qu'il est en face de lui. Comment il peut faire maintenant une autre bracha sur cet aliment-là? Comme par exemple, il va nous le cas suivant. Kshayesh lefanav prit... Quand maintenant il a devant lui un fruit, que lui il est dans un safek, si la bracha c'est Adama ou Etz, comme par exemple la banane. Adama. Comment? Adama, oui, mais là il y a une discussion sur les poskim. Il y en a qui disent que c'est Adama, il y en a qui veulent dire que c'est Etz. Ou prix chez Birchato, maintenant devant lui il a la banane. Et devant lui aussi il a une pomme. Qu'est-ce qu'il va faire? Si il va faire sur la banane, Adama, okay, il n'a pas le droit. Il doit en premier devancer Etz sur la pomme. S'il va devancer maintenant la pomme, il va faire chez Etz. Peut-être qu'il a rendu quitte la banane. Si tu as rendu quitte la banane, tu ne peux pas toi maintenant faire Adama sur la banane. Et si quand tu as fait Boré Priya Etz sur le... Et peut-être... La banane c'est Aetz, mais peut-être Adama, la banane c'est Adama. Alors quand tu as fait la bracha pour Aetz sur la pomme, la banane, tu n'as pas rendu qui? Tu as mangé sans bracha. Moi je fais sur une compote. Hein? Je fais sur une compote de pommes et de bananes. Oh, c'est un problème. C'est un problème. C'est à gérer. C'est un très grand problème. Alors dans un cas pareil, puisque tu vois pas maintenant, tu vois, est-ce que tu vois la banane? C'est tout mélangé. Tu vois la banane? Tu vois la pomme? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais Adama sur les deux. Tu prends la compote, tu fais Adama et tu manges. Ah c'est bon. Mélangé. Ou sinon, le mieux. Tu colles sur une compote. Ah putain. Non, mais une compote toute sans morceaux de fruits. La compote, c'est ou Adama, ou si tu prends
si tu sais que clair dans la compote, que cette compote, elle est mélangée de pommes et de bananes, essaie de prendre une cacahuète à côté, tu fais à Adama, avant tu fais à Aed sur un morceau de fruit, pour te rendre quitte. Je vous dis, les halakhot de brachot, c'est très 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 délicat. Il faut tout le temps, avant de manger, quand tu arrives à table, il faut que tu regardes ton assiette, qu'est-ce que tu as en face de toi? Qu'est-ce que tu vas manger? C'est un homme, comme il est affamé, comme jamais il a mangé de sa vie. Il se jette sur le manger. Comme les chachamim disent, Shat achila, shat milchama. Le moment de qu'on mange, c'est la guerre. Bien? Maintenant, il faut faire attention de ne pas trop les parler, pas trop les déranger, parce que sinon, quand ils mangent. Alors maintenant, il nous dit, regarde. Il dit, là, par exemple, il y a une banane et il y a une pomme. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Il nous dit, le Rav, Yevarech Adama, Ve'af, Be'Shabbat, Eno Racha, et Le'agdim, Yevarech She'akol al Pri, She'mesupak Be'Birkato. Et même Shabbat, il n'a pas le droit de devancer et de dire She'akol sur le fruit, sur la banane, oui, parce qu'il te dit, puisque c'est Es ou Adama, qu'est-ce que je fais? Je fais She'akol. Comme ça, je rentre quitte, il dit le Rav. Non, ça, c'est Assou. On verra maintenant le deuxième cas. Aochel pri shibirkato vadait kegod pour après aetz, shibirkato pour après aetz. Maintenant, un homme qui prend une pomme, que c'est clair que c'est boré peri aetz. Après aher, shelefanav shalou bimachloket. Et le deuxième fruit qu'il a devant lui, c'est machloket. Est-ce que c'est aetz ou c'est adama? Comme la banane. Im birkato pour après aetz ou pour après adama, kegod banana ou papaya. Ou la papaya. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Laura? Et Kaven de Ferouge de Birkat m'aurait pris à Aetz à la tapouach, chez Nor Roselifthor et a pris à Mesoupak. Alors il prend la pomme, il dit dans sa tête, je vais faire la bracha m'aurait pris à Aetz, et quand je vais faire m'aurait pris à Aetz, je pense à ne pas rendre quitte la banane. Vous avez compris? Alors il fait Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam m'aurait pris à Aetz. Attention que je ne rends pas quitte la bracha, la banane. Ve'az yuchal evarech ala banane, ava papaya boré pri adama. Après, je peux faire la bracha sur la banane. Kmo shenu agim alpi devrei maran ashuran aruch, comme selon maran ashuran aruch, qu'on doit faire sur la banane adama. Ve'im kadam uberech haetz velo kiven mefurash shel liftor banana. Et si maintenant il y a un problème, le bonhomme lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait pour être à être sûr la pomme et il n'a pas pensé à de ne pas rendre quitte la banane. Parce qu'il faut qu'il fasse Kavana Negdit, ça s'appelle. Kavana Kavana Negdit. Nan. Une Kavana. Kavana, ça veut dire une pensée de, au contraire. Ça veut dire qu'il faut qu'il dise dans sa tête, comme je vous ai dit. Que voici, je fais la bracha boré préaet sur la pomme et de par renquitte la banane. Et si, quand lui il a fait boré préaet, en face de lui il y avait la banane et il n'a pas pensé de par renquitte la banane, alors qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il est dans un doute. Peut-être quand lui il a fait aet, il a rendu quitte la banane. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il dit le Rav, tu n'as pas le droit de faire la bracha. Parce que ça fait que brachot la hakel. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Maintenant, ça fait que brachot la hakel, comme on dit en français. Dans un doute, tiens-toi. On ne fait pas la bracha. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit le Rav, Yarer, Birkat, Adama, Belibo. Tu prends la banane et tu dis dans ta tête, Baruch Adajem, Eloken, Melech Haolam, Borei Pri Adama. Pourquoi? Après, Maran Ashuchan Aruch, quand tu n'as pas prononcé le nom d'Akadosh Baruch Hu, ça ne s'appelle pas Bracha Lebatala. D'après le Rambam, que quand tu as pensé dans ta tête la Bracha, ça s'appelle que c'est une Bracha. Alors au moins, selon le Rambam, tu n'as pas mangé sans Bracha. Vous avez compris? Oui, David. Tout à l'heure, j'ai expliqué. On a dans un doute, est-ce que c'est un arbre ou est-ce que c'est un... C'est pas un arbre. Pourquoi? Parce que la façon comment il est cet arbre de banane,
Il sait feuille par feuille par feuille par feuille. Et après, à la fin, quand il a fini de faire, d'avoir tous les bananes, on le coupe et il repousse encore une autre fois. Mais un arbre, quand c'est vraiment un S, le tronc il est là, le tronc il reste. Il est tout le temps. D'accord? Il y a aussi d'autres raisons. C'est d'abord à l'oraka shorashim kayamim, pas avec les shorashim, ça veut dire les racines qui sont là. Aussi le tronc il est là. Alors, mais là c'est un S. Il y a d'autres raisons. Okay. Alors, c'est pour cela qu'il faut faire très attention avant de faire la bracha. Comment on fait la bracha? Aussi dans les quand on fait un motzi, est-ce qu'un motzi il rentre qui tout? Il y a des discussions. Est-ce que un motzi il rentre qui tous les aliments? Un homme il dit c'est bon, moi je fais un motzi, je rentre qui tout? C'est faux. Faut apprendre qu'est-ce que le motzi il rentre qui et qu'est-ce que le motzi il rentre pas qui. Comme par exemple les olives. Comment on fait avec les olives? Comme par exemple l'eau, des boissons. Comment on fait avec pendant la Seouda? Quand on regarde Maran HaShulchan Aruch, on voit que comment lui il parle Maran HaShulchan Aruch, c'est pas évident. Il dit Isaer, faites attention. Pourquoi il dit Maran HaShulchan Aruch Isaer? Et nous quand on lit Shulchan Aruch, on le lit, c'est bon, tu peux continuer, tu fais un motif, tu rentres qui tout. Nachon, je sais pas, c'est Adiv, quand tu n'as pas le choix, tu n'as pas le. Alors on est dans une situation que comment on mange, on n'a pas le choix. Mais non, apprends. On est censé apprendre les halakhot. On est censé être un bon juif. Un bon juif, c'est quoi? Qui fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est de savoir qu'est-ce qu'il veut Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là. C'est bon, hein, je fais chakol, je rentre kitou. Ça va vite, hein, les gens ils parlent vite comme ça. Mais c'est faux. Akadosh Baruch Hu, il va te donner aussi 100 shekels, il va te jeter comme ça. Bah, par exemple. Là, il faut faire comme il faut. Quand tu t'habilles comme il faut. Quand tu manges comme il faut. Quand tu fais les brachot, tu fais les brachot comme il faut. Quand il fait la bracha, il dit, jamais il a dit la bracha de sa vie. Shabbat, quand papa il fait kiddush, il faut expliquer à papa, papa tu penses à nous rendre quitte. Quand tu fais la bracha, quand même, entre parenthèses, je vous dis, quelqu'un qui se fout, il est habité chez quelqu'un. Et il fait le kiddush. Et vous savez que c'est Pépé. Il faut faire très attention de ne pas. Comment parler avec Pépé? Il est déjà vieux. Si, ben, au Hachem, avec il a un esprit ouvert. Alors, tu étudies avec lui. Tu dis, voilà, Pépé, regarde qu'est-ce qu'on a étudié à la chôte. Regarde qu'est-ce qu'on doit, comment on doit faire, etc. Et tu étudies avec lui. Et Pépé, il écoute, c'est bon. Mais si, Pépé, il dit, laisse-moi tranquille, hein. Moi. Tu me connais pas, hein? Moi, chez moi, quand j'étais jeune, on faisait Tehilim chez nous, hein. Et il est resté avec les Tehilim, c'est tout. Quand je vous dis franchement, j'ai des vieux qui parlent comme ça. Ouais. Maintenant, il a 75 ans. Il est avec dans sa tête un Tehilim depuis qu'il est bébé. C'est déjà bien, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Oui, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut évoluer, il faut savoir qu'est-ce qui est voué à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu, depuis que le temple il a été détruit, il a à Kadosh Baruch Hu 4 amot de halakha, c'est-à-dire 2 mètres sur 2 mètres. Comme ça a dit la Gemara dans Brachot Het Amud Alef. Elle dit Après Shen Chara Bet Amigdash, En lo le Kadosh Baruch Hu, il a 4 amot de halakha. Il a 4 amot de halakha. Et il faut publier cela. Tu veux faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, apprends la halakha. La halakha ne reste pas inerte. Moutar, assur, moutar. Peut-être, peut-être oui, peut-être non. Approfondir. Tu as 1 heure, tu apprends moutar, assur. Tu as 2 heures, tu apprends un peu plus. 3 heures, 4 heures, 5 heures d'études, tu approfondis la halakha encore plus. Comment on est arrivé à telle halakha? Pourquoi maintenant le rabbi est arrivé à cela? Une fois, un des élèves, il me dit, mais pourquoi le rabbi a parlé comme ça? Pourquoi il a marqué comme ça? Ça, c'est pas logique. J'ai dit, écoute, tu vois, cette halakha, c'est une ligne et demie. Apprends bien, bien la Gemara, les Rishonim, les Poskim, Acharonim, et après tu viens, on parle dimanche. Motsaï Shabbat, il m'appelle, il me dit, j'arrive pas, c'est trop pour moi. Je dis, mais c'est moi, je vais faire à ta place. Dimanche, je suis venu,
Je leur ai fait montrer que chaque halakha que vous voyez ici, une ligne et demie, chaque mot, c'est au moins 4, 5, 6 lignes dans la Gemara. Chaque un mot. Ouais, il te dit ça tu peux, ça tu défas, ça celui-là tu peux faire, celui-là tu peux pas faire. Dans la halakha ici, avant que la halakha elle a été écrite ici, c'est au moins des fois une page et demie de Gemara. La Gemara c'est 2300 ans en arrière. Alors comment il faut être vigilant avant de dire je suis pas d'accord. Avant qu'un homme lui il se dit ah mais c'est comment le rabbi parle comme ça, comment le rabbi Israël Yosef il parle comme ça, comment le rabbi va dire Yosef Zatzal il parle comme ça, comment il dit une chose pareille. Non mais doucement, 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 vigilant, apprends en premier d'où ça vient là l'Alaha, qui c'est qu'il a parlé, c'est des paroles ici, même que le rabbi Israël Yosef il parle ici, il rapporte des paroles de 2000 ans en arrière, de 5000 ans en arrière, de Moshe Rabbeinu. Qu'il a pris d'Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu l'a transmis. Alors comment nous, on est très petits comme ça, on va commencer à changer des halles. Non, je ne suis pas d'accord. Qui on est pour, être, pour dire je ne suis pas d'accord? Apprends en premier, va voir la source, bien, bien, bien profond, d'où ça vient cette halakha. Après tu peux dire, moi j'ai un élève que Baruch Hashem, il a monté, monté, monté. Il vient, il m'appelle, il me dit, pourquoi le rab, il a dit comme ça? J'ai appris la sougia, je ne suis pas d'accord. Il dit, Chazak, je suis content en premier que tu as appris la sougia. C'est magnifique. Que tu as appris, tu as approfondi. Mais quand tu veux parler, oh Hachem, tu avances, tu montes. Il y a une chose, n'oublie pas. Quand tu veux contredire quelqu'un, avec respect. Il n'y a pas, je suis pas d'accord. Il n'y a pas, ils ne savent pas quoi, qu'est-ce qu'ils ont dit ceux-là, les barbus. Il y en a qui parlent comme ça. Grave, c'est grave. Avec respect, avec kavod, avec gentiment, gentillesse. Voilà, c'est, tu veux dire, je ne suis pas d'accord, d'accord. Apprends toute la soudia, viens vers le rab, et après tu dis, voilà le rab, comme ça j'ai vu ça, et ta 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 ta. Et cet élève-là, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit clair, le rab, c'est son opinion, et son opinion suite à Aleph Bet Gimel. Il n'a plus dit, il n'a rien dit. Comment il faut faire, il faut avoir le respect, même quand on étudie la Torah. On tue personne. Maintenant quand ils parlent, on dirait qu'ils ont tué les... Il nous dit le Rav Echad Imiesh Lefanav Ores. Quand il a devant lui du riz. Maintenant regardez comment il est le riz. Ce riz là maintenant il est mevushal. Il est cuit. Ve'ushalem shelon nitma'ach. Il est entier et il n'est pas écrasé. Et puisqu'il est entier et il n'est pas écrasé. Sheyesh machloket imberkato bore mine mezonot bore pri adama. Et la bracha c'est machloket. Est-ce que c'est bore mine mezonot sur le riz, ou c'est Adama. Pourquoi? Parce qu'il est entier. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait la bracha Boré Priha Adama sur le riz, ou on fait Boré Mine Mezonot? En général, le riz, c'est Boré Mine Mezonot. Mais pourquoi c'est Boré Mine Mezonot? Là, ici, le riz, il est entier. Alors, puisque maintenant, il est entier, alors c'est une discussion dans les poskim. Et maintenant, il y a encore devant toi aussi des yerakot mevushalim, des légumes qui sont cuits. Chez Birkata, Mevadai, Boré Priya Adama, que c'est clair que la bracha, c'est Boré Priya Adama. Maintenant, lui, il veut manger en premier les légumes. Après, il veut manger le riz. Chez Mevarech, Alem, Boré Priya Adama, Yakaben de Ferou, chez Norotse, Liftor et Taor, c'est Birkato. Quand lui, maintenant, il va prendre ces légumes-là, il va prendre une salade. Après, il veut manger ce riz-là. Le problème, il est quand tu vas faire la bracha. Quand tu vas faire la bracha sur la salade, peut-être tu as rendu quitte le riz. Comment tu fais? Dis le Rav que quand tu fais bracha, Boré Priha Adama sur la salade, tu penses à ne pas rendre quitte le riz. Pourquoi?
Parce que le riz, puisqu'il est entier, peut-être c'est Adama, peut-être c'est Maisonnote. Mais le fait que peut-être c'est Adama, quand tu as fait la bracha sur la salade, tu as rendu quitte peut-être le riz. Alors, comment tu vas faire maintenant la bracha, même pour éminer Maisonnote sur le riz? Peut-être quand tu as dit Adama, tu as rendu quitte le riz. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu penses, quand tu préfères Adama sur la salade, de ne pas rendre quitte le riz. Et après, c'est bon, tu peux manger le riz et tu dis, il n'y a aucun problème. Mais si maintenant, lui, clair, quand lui, il a fait la bracha, sur un fruit qu'il est clair comme la salade, c'est clair, c'est Adama, et il n'a pas pensé de ne pas rendre quitte le riz, ça veut dire un aliment qu'il est besafek. Il n'a pas le droit de faire la bracha sur le riz. Et là, qu'est-ce qu'il doit faire? Dans sa tête, il pense la bracha boré miné mezonot sur le riz, mais pas à haute voix. Dans sa tête, il dit Baruch Adah Hashem sans sortir les mots de sa bouche. Par contre, si maintenant la salade elle est mélangée avec le riz, et chez lui, le riz c'est l'essentiel. Il fait la bracha à Maisonnote sur le riz, et ça suffit. Comme c'est très fréquent ce cas-là, que quand il mange du riz avec des petits pois, ou du riz avec un peu de salade. Alors si tu manges en même temps, tu fais boré Maisonnote sur le riz et tu rends quitte, okay? Les petits pois. Mais si c'est séparé là maintenant, tu vas manger les deux. Là, tu vas faire Adama en premier sur la salade et tu penses de ne pas rendre quitte le riz. Et après, tu fais boré Maisonnote sur le riz, chazak ou baruch.